Sylvain ? Oui. J'ai l'impression que ça va pas très fort. C'est vrai. Je suis un petit peu fatigué. Tu veux un café ou... Ah, je veux bien. Comment t'as... C'est fort, ça ! Ça, c'est encore un de tes tours, ça ! Non, attends, on n'a pas commencé encore l'exercice. Hein. Attends, ça sera tout à l'heure, ça. Hein. Je te laisse le café. Et le sucre ! Parce que tout à l'heure, nous allons avoir besoin du sucre pour l'expérience. T'entends ça ? Une expérience avec du sucre. Okay. Allez, je te le laisse. Je peux m'en servir de celui-là, quand même ? Bah, avec plaisir. Bah, tu vois, celui-là, il est pour moi. Hop là ! Tu n'en auras pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce sucre ? Eh bien, mon cher Sylvain, une expérience avec un sucre, un verre, un crayon de papier. Je vais te demander d'écrire des initiales sur ce sucre. N'importe quoi, une lettre, deux lettres, trois lettres, un numéro, ce que tu veux. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça va te plaire, ça. Alors, donc, une lettre. Je peux regarder, hein. Oh, bah oui. Oh. Ça va lui faire plaisir. Tiens. Ah, c'est un Z. Pourquoi pas ? Tu es droitier, tu es gaucher ? Droitier. Droitier. Tu vas poser ta main au-dessus du verre, comme ceci. Je pose le sucre à l'intérieur du verre. Et regarde bien, le Z commence à disparaître. Ah oui, je le sens. Eh oui. Incroyable. Et normalement, au miracle, si tu retournes la main, le Z vient de s'imprimer sur la paume de ta main. Ah, je suis sidéré. T'as vu ? Regarde ! Tu veux l'explication ? Ah, s'il te plaît. Il te faut un sucre, un verre d'eau, un crayon de papier. Pour l'instant, très simple. Jusque-là, tout va bien. Tu demandes au spectateur d'écrire des initiales sur ce sucre. Donc, en l'occurrence, tu as écrit Z. Lorsque je te demande si tu es droitier ou gaucher, ça me laisse le temps de poser mon majeur sur le sucre et d'imprimer le Z sur mon majeur. Mais bien sûr... Mais ça, les gens ne le voient pas. Donc à ce moment-là, je demande la main droite et dès que je touche la paume de la main, hop, je transfère, je fais une petite pression comme ça, je transfère le Z sur la paume de la main. On retourne la main et on voit le Z qui est imprimé ici sur la paume de la main. Voilà, et ça, évidemment, c'est encore une fois un exercice inratable. Merci Sylvain, ce fut un plaisir. On refait exactement la même chose. On note sur le sucre. Oui, oui, tiens, ça, je sais que ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'il nous fallait juste après ? Ah oui, c'est vrai, un verre d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait du verre d'eau ? Le verre d'eau... Oh non ! Ça, tu sais que c'est pas professionnel du tout.